Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronny Marceau Production. Dans cette vidéo, enchaînement au saï. Alors avant de commencer l'enchaînement, il faut savoir une chose ou se rappeler d'une chose, c'est que toutes ces armes-là ont deux grandes façons de les tenir. Comme ceci, avec le kisaki, la pointe face à l'adversaire, ce qu'on appelle antemoshi. Puis il y a cette saisie-là, où le kisaki, la pointe, est vers le coude, ça s'appelle gakutemoshi. Antemoshi, gakutemoshi, ok? Donc voilà, c'était juste la petite info, bonus, on passe à l'enchaînement. Donc, on commence Shizentai, Sai en Gakutemoshi. On recule, on vient placer un Sai comme si on faisait un Jodan Ageuke et l'autre un Gedanbarai. On pense bien à mettre le Sai dans la direction de notre blocage. Si on est ici, là on vient prendre la frappe. Il faut que le Sai soit vraiment vers l'extérieur pour pouvoir intercepter la technique. Donc, itch, on vient ici, blocage double sur le côté. Tout de suite, on frappe en descendant. Dans le mouvement, on le remet en gakutemoshi et on vient frappe circulaire. Zenpogeri, on vient ici. Position shikodachi et on vient frapper en descendant. Ok, de l'autre côté. Donc, itch. On vient ici, donc comme j'ai dit, on pense bien à l'extérieur pour bloquer. Ni, san, chi, go. Soit la sai, on vient ici, soit on peut très bien zenpogeri, boom, et venir ici. D'accord, c'est une position très classique, très connue du kobudo sai. Donc soit itch, soit on vient ici. Donc voilà pour ce petit enchaînement au sai, j'espère qu'il t'a plu. Si tu pratiques ou non cette arme, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu souhaites d'autres enchaînements avec d'autres armes, pareil, tu me le mets en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec toi. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao !